Monsieur le maire de la ville de Boutembo, ici représenté, monsieur le directeur général de l'UBTP, ici représenté, monsieur le secrétaire général académique de l'UBTP, ici représenté, messieurs le trésorier général de l'Ordre national en section région 3, monsieur l'architecte de Jessite Boutoumanembe, messieurs le chef des sections de toutes les sections organisées à l'UBTP, messieurs les architectes et ingénieurs présents ici, chers invités, distingués invités, à vos titres et rangs respectifs, protocole tout protocole, observez, bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur pour nous de venir participer et surtout faire l'ouverture solennelle du colloque sur la journée internationale de l'architecture et de l'habitat. Cette journée mondiale de l'architecture et de l'habitat avait été créée par l'Union internationale des architectes en 1985. La journée mondiale de l'architecture est célébrée chaque année le premier lundi du mois d'octobre, décoïncidée avec la journée de l'ONU Habitat. Donc je tiens à préciser à nos puissantes assemblées que cette journée a été reportée. En réalité, elle devait se célébrer le premier lundi du mois d'octobre. Et le thème de la Journée mondiale de l'habitat 2023 est les économies urbaines résilientes. Le ville comme moteur de la croissance et de la reprise. Et dans le cadre de cette thématique, les conseils de l'Union internationale des architectes a choisi le terme de l'architecture pour les communautés résilientes. Et pour la Journée mondiale de l'architecture 2023, avec ce terme, l'Union internationale des architectes souhaite mettre l'accent sur la capacité, la responsabilité de l'architecture à créer une vie communautaire viable et à ouvrir une discussion internationale sur les relations entre les zones urbaines et rurales dans tout le pays du monde. Le talent urbain à travers le monde est incontrôlable et menace l'équilibre environnemental, social, économique de la planète. Et donc, la crise mondiale, la pandémie mondiale, les bouleversements politiques dans de nombreux pays ont relevé des inégalités sociales, économiques et environnementales qui menacent les communautés du monde entier et affectent de manière disproportionnelle les groupes défavorisés et marginalisés. Et donc, le monde est confronté à la lourde tâche de répondre au mieux aux défis climatiques et sociaux d'aujourd'hui. Et cela soulève la question de l'efficacité, de l'adéquation des outils de planification conventionnels pour l'organisation des territoires et la production d'une architecture sociale et respectueuse de la vie. Ici, je répète, ce sont des conventions pour l'organisation des territoires et la production d'une architecture sociale et respectueuse de l'environnement. À cette journée mondiale de l'architecture, l'Union internationale des architectes invite ses sections membres, à savoir donc la région 3 de l'ONA, de l'Ordre national des architectes, à poursuivre les discussions et à encourager la mise en place des concepts et des politiques de planification territoriale et urbaine qui permettent aux architectes
et de concevoir des bâtiments viables et des espaces publics des communautés résilientes visant à humaniser tous les types d'urbanisation, à respecter le patrimoine culturel et à rétablir les lieux avec la nature et la biodiversité. Je dis et je vous remercie. On applaudit très fort, on applaudit très fort. Merci. Allez, appuyez à deux minutes. Il nous a envoyé nous représenter dans ses assises et parler du thème qu'il pouvait exposer. Les noms pour les propos de Kassareka pour sa justesse. Chef de bureau de l'établissement de Beau et enseignant allié de Boutibou, chef de travaux, dans lesquels on donnerait une information sur l'élaboration du code de l'urbanisme en RDC toujours, comme code doit regrouper plusieurs disciplines qui parlent de l'humanisme, évidemment. Mais ce qui nous est réparti, comme ça a été énoncé par l'orateur, ce sont les avantages du respect de la procédure de l'octroi du permis de construire, les inconvénients à cas du non-octroi de ce permis, et leurs impacts, surtout dans notre ville de Boutibou. Voilà à quoi nous voulons discuter pendant ces quelques minutes. Le premier point parle des avantages. En fait, l'octroi du permis de construire nous donne quelques quatre avantages que nous avons pensé être essentiel. C'est d'abord l'hypothécabilité du bâtiment. On ne construit pas seulement pour le plaisir d'avoir une maison, mais c'est aussi dans le sens de vouloir à bénéficier d'une manière ou d'une autre. À cas des gages, par exemple, ou solliciter une dette quelconque dans des structures appropriées telles que les banques et les microfinances, on doit vous exiger l'hypothèque ou un gage quelconque. Alors, tout bâtiment sans autorisation de bâtir est censé être déversé parmi les constructions anarchiques et ça ne peut pas affaire un gage de foi. Deuxième avantage, c'est la sécurité des habitants. Donc, pour sécuriser les habitants, il faudrait qu'il y ait un permis de construire avant de commencer tout travaux de construction. C'est par exemple dans cette enceinte où nous sommes, une catastrophe quelconque qui nous arriverait ici. Le propriétaire de cette enceinte doit avoir des difficultés de nous indemniser si jamais ces genres de documents ne sont pas à sa possession. Troisièmement, c'est faire respecter les normes urbanistiques, les normes de l'architecture, les normes de la construction aussi. Ici, vous serez d'accord avec nous que lorsque tout le monde peut construire où il veut, quand il veut, comment il veut, ça va perturber l'ordre urbanistique. Ça va aussi compromettre l'attrayance et l'aspect architectural de l'ensemble de la ville. Aussi, les constructions réalisées n'auront pas leur ampleur qu'il faudrait architecturalement.
selon la résistance, selon aussi l'aspect général. Et finalement, ceci a pour raison d'être de respecter la destination de chaque espace, de chaque terrain. Ici, nous faisons allusion au zonage. On ne va pas construire, par exemple, un bâtiment commercial dans un endroit non approprié à ce genre de bâtiment. Vous n'allez pas construire une structure scolaire dans un endroit non approprié à cela. Une usine à un endroit non approprié à cela. Ici aussi, c'est faire respecter toutes les servitudes dans la vie. Il y a plusieurs avantages. Compte tenu du temps, nous avons pensé que ceci nous ouvre l'idée générale sur ce que ça nous donne. Comme inconvénient, sans respect des normes urbanistiques, architecturales, technologiques, techniques, donc, ici, nous aurons les désordres notoires dans tous les aspects possibles de toutes les structures qui constituent la ville. Parce que là, quelqu'un peut venir construire même dans une voirie, dans une avenue, personne ne lui interdira. Il y aura aussi des conflits fonciers, parce qu'à ce moment-là, je peux venir construire chez vous sans m'inquiéter, les limites ne seront plus respectées. Alors, nous aurons exposé la population à diverses maladies à ce moment-là, parce que l'environnement sera tellement, tellement très, très sale. Donc, nous aurons un environnement impropre à l'habitation, un environnement qui ne va plus donner le goût de vivre. Et pourtant, quand nous parlons ville, quand nous parlons urbain, nous voulons parler développement. Nous voulons parler aménagement. Nous voulons parler ordre. Nous voulons parler organisation. Nous voulons parler épanouissement de la population. Sans respecter ces normes, on aura aussi comme inconvénient de spolier les servitudes. Toutes les servitudes ne seront plus observées. Et là, comme je l'ai dit avant, nous serons en train de continuer à exposer la vie de la population. Les constructions ne seront plus contrôlées. C'est tout architecte, c'est tout ingénieur qui va faire du n'importe quoi dans sa prestation au chantier. Les conceptions seront mal faites, les exécutions des travaux seront sans contrôle, et automatiquement, c'est ici copé chaque fois assister aux écroulements des bâtiments pendant et après leur construction. Alors, en respectant ces normes, nous avons pensé que ça doit nous aider à observer toutes ces failles et à les éviter. Le point suivant, c'est maintenant l'impact de tout ce que nous venons de dire dans l'amélioration de la qualité de l'habitat dans notre ville de Boutembo. Une brève historique sur la ville de Boutembo. Boutembo, dans l'organisation, dans le plan général de la RDC, n'était jamais envisagé comme ville. C'est une ville qui est née d'elle-même. On a tout simplement constaté qu'il y a déjà l'engouement de la population dans cette contrée. Parce que selon le dire, c'était quelques trois villages, l'un à Moutir, l'autre à Kitatumba et l'autre
ici vers Matanda. Ce sont ces quelques villages qui se sont, à un moment donné, rencontrés, et cela par l'imbution, évidemment, de l'installation de l'EMIGEL là, à l'EMIGEL, parce que la société minière qui exploitait de l'or à Mangredjipa avait pris ça comme site de passage de ses ouvriers. C'est de cette façon, d'une manière générale, que Boutembo, finalement, a été appelé centre extra-coutumier, quelques temps après, cité dans la zone qui aujourd'hui est appelée territoire de Lubero. C'est avec l'avènement de la rébellion de leur CD, KML, que finalement, les deux territoires, Beni et Lubero, ont été proclamés république. Et c'est à cette occasion qu'on va proposer que Beni et Boutembo soient villes. À la réunification de la République, ces deux villes, vers 2003, ont été reconnues officiellement par le décret présidentiel comme villes à République démocratique du Congo. Alors, c'est curieux, comme nous venons de le dire, rien n'a été préparé au préalable pour asseoir la ville selon que la structuration d'une ville devrait être. C'est ainsi qu'aujourd'hui, suite à une moindre pluie, déjà vous constatez des inondations ici et là. Donc nous avons pensé que, comme impact, la première chose qu'on aurait comme avantage serait d'éradiquer ces inondations, les érosions, les éboulements de terre, l'expropriation des espaces qui doivent être protégés. Je cite, toutes les servitudes, ça, on aurait évité. Ceci permettrait évidemment une utilisation rationnelle de tous les espaces dans la ville. Ceci permettrait un développement rapide de l'homme à ville de Boutembo, son épanouissement, bref, ceci lui ramènerait son bien-être. Donc, la ville serait réellement vivable. C'est ici que nous passons que si chacun de nous œuvre ou donne sa contribution dans tout ce qu'il fait comme intervention ici et là dans la ville de Boutembo, en suivant correctement ces observations, nous aurons aidé la population. En effet, particulièrement à ville de Boutembo, nous avons constaté que la population elle-même contribue à la salubrité, au désordre dans la ville. En observant chaque chose, on aurait peut-être aussi donner de l'importance à certains espaces déjà prévus pour telle ou telle autre activité dans la ville que personne ne veut prioriser parce que peut-être ne voulait pas y aller. L'exemple concret, c'est l'utilisation des avenues comme marché ici au centre-ville. Des fois, on manque par où passer parce que la voirie est déjà occupée par le marchand. Et pourtant, les marchés sont déjà prévus dans la ville. Il y a beaucoup à citer ici. Alors, ceci va se concrétiser par
l'explication de comment nous devons chaque fois obtenir nos permis de construire. C'est le point suivant, procédure de l'octroi du permis de construire. Cette procédure a trois grandes étapes. L'étape du dépôt de la demande du permis de construire, l'étape des enquêtes et l'étape de la notification. La première étape, qui s'agit du dépôt de la demande, celle-ci regorge aussi trois points. Nous avons l'annexe 1. L'annexe 1, c'est un document que vous rencontrez au bureau de l'urbanisme, qui représente la lettre qui serait écrite par le requérant, donc par le demandeur. Au lieu que chacun écrive sa formulation de la demande, il y a un formulaire que tout le monde doit remplir, et c'est ça ce qui constitue l'annexe 1, et doit être signé par trois personnes. Le demandeur lui-même, son architecte, ou l'ingénieur, ou alors l'entreprise qui a fait la conception et qui va suivre le travaux sur terrain, pour évidemment engager sa responsabilité à tout ce qui peut arriver à ces bâtiments-là, à ces chantiers-là. D'ailleurs, selon la législation de la Constitution, est-il que celui qui a réalisé ces travaux, il est redevable, il est poursuivable jusqu'à au moins 10 ans de l'existence de cet ouvrage. Donc nous avons intérêt à bien nous comporter. La dernière signature, c'est la signature du préposé de l'urbanisme pour accompagner évidemment la procédure-là. Deuxième document, c'est l'annexe 2. C'est un document qui reprend in texto tous les éléments que le demandeur a déposés ou alors tous les éléments qui constituent le dossier de sa demande. Et ces éléments doivent être la demande elle-même, les titres d'occupation parcellaire, l'extrait cadastral, le différent plan. Ici, nous avons affaire au plan de masse, plan de situation, plan d'implantation, plan de fondation, plan du sous-sol, plan de rez-de-chaussée, plan de plomberie, plan de huisserie, disons, tous les documents-là, tous les dessins-là exigés pour bien présenter un projet de construction sont demandés ici. Et il est dit que, à cas de nécessité, surtout pour des grands immeubles, il faut arriver même à demander sa maquette. C'est comme ce que nous voyons devant nous ici. Lorsque le bâtiment demande vraiment beaucoup d'exigences, il faut présenter même sa maquette. Ici, on doit présenter les notes de calcul. Les notes de calcul qui regorgent les devis émettrés de l'ouvrage. Combien va correctement coûter cet ouvrage? D'ailleurs, ce prix global-là, c'est à base duquel qu'on va calculer le frais de la taxe de bâtisse. Parce que ça doit aussi être payé. Il y en a de ces gens-là qui nous arrivent et qui posent la question, c'est à base de quoi que vous nous taxez? C'est évidemment, normalement, à base du devis. Alors, la plupart des projets nous arrivent sans tous ces éléments. Ici, on doit avoir étudié le sol, surtout lorsque vous avez affaire à des grandes bâtisses, la reconnaissance du sol
est très très obligatoire. Au besoin, nous dire quelles sont les qualités des matériaux qui vont entrer dans la réalisation de l'immeuble. Ici, c'est beaucoup, comme je l'ai dit, c'est tout ce que nous étudions. La troisième étape, ou troisième document, dans la première étape du dépôt de la demande, c'est le récépissé. Ça, c'est un document signé par le préposé de l'urbanisme comme récit attestant que réellement la demande a été reçue au bureau ou dans les services de l'urbanisme. Voilà à quoi consiste la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape maintenant des enquêtes. Ici, étant donné qu'il y en a certaines personnes à qui on a difficile à faire foi, à faire confiance, c'est pour cette raison qu'on entre dans cette étape pour vérifier si réellement les documents présentés et les déclarations fournies par les demandeurs sont vrais, présentent réellement la réalité de fait. C'est ici qu'il y aura un OPJ qui va descendre sur terrain à la parcelle proposée, vérifier à base d'une série de questions qu'il va se poser là-bas sur terrain, si réellement tous les documents présentés et les déclarations fournies sont réelles, sont véridiques. Et là, il va sanctionner sa descente ici par un avis qui peut être favorable ou défavorable à l'égard du demandeur. S'il trouve que les exigences urbanistiques, architecturales, technologiques ne permettent pas qu'on autorise la construction du bâtiment qu'on a voulu construire à cet endroit, à ce moment-là, on va demander au requérant de changer soit son plan, son projet, ou carrément de chercher un endroit favorable à son projet-là. Quand c'est passable, ok, lui donne l'avis favorable. Deuxièmement, celui qui a fait la descente doit faire un procès verbal de reconnaissance de vie. À travers ce procès verbal, lui aussi s'engage à être responsable de tout ce qui peut arriver à cet ouvrage, parce que lui aussi atteste, confirme que réellement, le projet envisagé est faisable à cet endroit-là, à ces lieux-là. Et il doit signer ce PV ici. C'est à foi de ce PV, évidemment, qu'on va juger recevable et la demande. Ici, il y a une petite nuance. La descente ici ne doit pas se faire gratuitement. Les frais de descente ici sont à la charge du requérant. C'est lui qui doit payer ça. Et c'est variable suivant la réalité du terrain, la distance et l'importance de l'ouvrage et même la véracité du travail qu'on doit faire là-bas. Le dernier point dans cette deuxième étape, c'est le certificat d'urbanisme. Les certificats d'urbanisme s'octroieraient tout de suite là à la production de la parcelle, parce que la parcelle est produite lors de l'urbanisation, lors du morcellement, lors du lotissement. En donnant à chaque parcelle le numéro de police, on devrait lui octroyer aussi un certificat d'urbanisme, qui est un document qui atteste que, urbanistiquement, nous reconnaissons cet espace comme parcelle.
et dont la destination est celle-ci. Maintenant, comme je vous ai dit que, curieusement, la plupart de nos villes, y compris la nôtre de Butembo, naissent d'une manière là irrégulière, automatiquement il y a des parcelles méconnues et que vous constatez qu'elles sont là comme parcelles. C'est ainsi qu'à cette occasion, il faut doter à cette parcelle ce certificat d'urbanisme qui est un document signé par le préposé de l'urbanisme.